Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Vous savez que j'aime bien partager avec vous euh, des découvertes euh, et pas que des tarots, des oracles hein, euh, ni des accessoires. Ici, on va parler euh, gourmandise. Voilà, donc il s'agit euh, de Magic Cookie, l'entreprise Magic Cookie France qui est gérée par Rebecca, qui est chef pâtissière qui m'a envoyé une boîte de ses cookies, euh, déjà pour les goûter, pour pouvoir en parler avec vous. Euh, et je pense qu'on est beaucoup à être des grands gourmands. Hein. Euh, elle fabrique donc des cookies. Comme le nom l'indique, mais des cookies un petit peu spéciales. Je vais vous montrer. Bon, il y en a déjà deux qui ont disparu. Donc, ça arrive dans une jolie boîte comme ça, hein, en carton. Il y en a déjà deux qui ont disparu parce qu'on les a goûtés hier avec mes enfants. Et ils étaient délicieux. J'ai dit à mes enfants, par contre, qu'ils ne pouvaient pas manger les quatre suivants parce que je devais quand même avoir matière à illustrer la vidéo. Sinon, ça aurait été un petit peu ennuyant. Donc, voilà, normalement, ça arrive et c'est vendu par boîte de six cookies que je vais vous montrer. Hein. Euh, je vous mettrai une petite photo euh, ici euh, de la boîte au complet. Hein. J'ai même pris des photos avant pour vous montrer comme c'était joli. Je vous ai pris quelques photos aussi de ceux qu'on a mangés, comme ça vous verrez un petit peu euh, ben, à quoi ça ressemblait. Euh, ils étaient délicieux. Je vous avoue qu'on a hâte de finir la vidéo pour manger les quatre suivants. Euh, ils sont très très originaux aussi. Je vais d'abord vous montrer un hein. cookie, ils sont emballés euh, individuellement comme ceci. Voilà, et euh, la, petite, euh, ben, la petite spécialité, c'est qu'il y a ici euh, un QR code à scanner qui vous envoie vers un petit message euh, inspiré euh, de la magie et du tarot. Voilà, je vous mettrai aussi euh, une ou deux, euh, ben, les deux qu'on a mangés, j'ai fait une petite photo évidemment. Euh, de, ce, de la carte, comme ça je vous l'insérerai aussi, comme ça vous verrez un petit peu euh, ben le style de message. Ça me fait un peu penser au concept des Yogiti où vous avez un petit message sur l'étiquette du thé. Ben ici, vous mangez votre cookie et euh, vous scannez et vous avez une petite carte avec un message. En fait, c'est un petit message, j'en ai reçu une comme ceci. Par exemple, ici, c'est quoi le bonheur pour toi Voilà, elle glisse dans chaque paquet de six cookies achetés, vous, elle vous glisse une carte physique comme ça avec un message. Alors ici, vous voyez un petit symbole, un oiseau ici. Euh, ici, on a différents petits symboles qui vous permettent d'identifier ben, la saveur des cookies. Voilà, ici, on a une dame. Je vous mettrai également ici euh, le petit papier qu'elle a fait avec les symboles. Comme ça, vous verrez les différents goûts qu'il y a. Il y a Et à savoir qu'il y a six saveurs permanentes. Et il euh, y a des éphémères. Par exemple, pour le mois de juin, c'était pistache et framboise et violette et chocolat. On a mangé violette et chocolat hier et je vous assure que c'était délicieux. Voilà. Et bon, je pense que ces saveurs éphémères changent du coup chaque mois. Donc, euh, Rebecca est chef pâtissière. Donc, elle a créé sa, sa boutique hein, de cookies. Euh, Qu'elle fait elle-même. Elle les cuit et elle envoie le tout dans les 24 heures. Donc c'est vraiment euh, hyper frais. Euh, il est marqué sur la boîte ici euh, qu'on peut euh, les congeler euh, pour les garder plus longtemps. Et on peut également les préchauffer. Voilà. Donc ça, c'est chouette aussi. Euh, je trouve que c'est même un chouette cadeau euh, bah, déjà à s'offrir soi-même si vous êtes gourmand comme moi et euh, avec votre petit café ou votre petit thé, boire un petit cookie. Voilà. Euh, je trouve ça très chouette ou alors même euh, un chouette cadeau à offrir. Ça arrive comme ça dans une jolie boîte et euh, ben, c'est super original. Voilà. Euh, visiblement ici, euh, je pense que c'est un papier qui se mange. Hein, euh, Qu'on peut scanner avec un papier qui se mange. Mon fils l'a mangé et ben, ça n'a pas eu l'air de l'ennuyer. <laughs> voilà. Donc à savoir également que ces cookies euh, sont... Euh, 100% euh, vegan et végétale parce qu'elle a à cœur euh, mais de prouver qu'on peut allier la gastronomie avec une alimentation respectueuse de l'environnement et du bien-être animal, donc pour tous les amoureux des animaux et de l'environnement. Ben voilà, sachez qu'ils sont 100% vegan, donc ça c'est très très chouette aussi. Euh, ils sont vendus en boîte de 6 euh, uniquement hein, mais vous pouvez choisir évidemment vos six saveurs au choix il me semble que c'est 20 euros la boîte de six cookies euh, à savoir que c'est euh, fait main c'est de l'artisanat euh, elle se elle se procure enfin elle a plutôt un partenariat avec des artisans locaux pour tout ce qui est euh, ingrédients etc et euh, alors, pour, euh, si jamais vous voulez en commander, à savoir qu'elle est en train de mettre en place euh, un site e-boutique pour pouvoir lui passer commande qui sera dispo euh, dans pas longtemps, mais pour le moment, vous pouvez passer par mail ou euh, par, sur ses réseaux sociaux, à savoir Insta et Facebook. Je vous mettrai son adresse mail dans la barre de description si jamais euh, vous voulez lui passer une petite commande. Elle vend également du thé et du... Café, ici j'ai reçu un petit échantillon, euh, je vous avoue qu'il a l'air très bon, hein. cacao, au euh, oh, le bonheur, et dans la tasse, je ne connais pas du tout, mais je le goûterai également. Euh, je ne voulais pas non plus euh, tout utiliser avant de faire la vidéo, il fallait quand même que j'ai des choses à présenter. Dans la boîte, on a également un papier avec les allergènes, hein, qui vous dit voilà ce qu'il y a dedans, euh, gluten, fruits à coque, arachides, euh, soja et sésame. Voilà, comme ça... Euh, vous savez. Alors, ici, les saveurs éphémères et saisonnières, on avait du coup chocolat vanille, café noisette, matcha, chocolat blanc, citron, basilic, amande, kinako, cacahuète et franchipane. Donc, ça, bah il oui, va te rôler si c'est écrit. Donc, un cookie fait 75 grammes de magie. Ils sont gros. Hein. Franchement, ils sont bien épais. Euh, on, on en a coupé un en trois hier pour le goûter et on avait de quoi se régaler. Voilà. Donc elle fait comme je vous ai dit des goûts originaux. Ah ben ici voilà vous avez son mail, son téléphone. Ici euh, alors oui ça je vous ai pas dit la livraison est gratuite sous rendez-vous à Metz euh, ici que vous voyez ici ou en point relais ou alors elle peut également les envoyer en France ou dans l'Union européenne mais via Chronopost. Et euh, les frais, évidemment, sont calculés au moment de la commande en fonction de combien vous en achetez. Et c'est gratuit à partir de 80 euros. Ah ben ici, vous avez aussi euh, son Instagram et son Facebook. Voilà. Donc moi, je trouve bah, que c'est très chouette euh, le concept déjà. Euh euh, d'allier euh, bah, gourmandise avec l'univers de la magie et du tarot, vu que Rebecca pratique le tarot depuis ses 17 ans. Donc c'est quelque chose qu'elle aime également aussi. Et euh, bah, elle s'en inspire pour les petits messages que vous avez en scannant les petits codes QR. Voilà. Du coup, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Bah, déjà, est-ce que vous êtes des gourmands comme moi Moi, je suis très sucrée. Bon, salée aussi, mais quand même su euh, sucrée aussi. Et bah, les deux que j'ai mangés, je les ai adorées. On va se faire une joie quand la vidéo sera finie bah, de, de dévorer les quatre suivants. Euh, bah, évidemment, encore un énorme merci euh, à Rebecca hein, qui me l'a envoyé euh, bah, pour vous voir le tester déjà et en parler avec vous. Euh, comme ça, bah, c'est bien de vous faire découvrir des choses, je trouve. Euh, que parfois, ben, sans passer par les réseaux sociaux, on n'aurait peut-être pas découvert euh, et on n'aurait pas euh, ben, été séduit. Voilà, ça vous donnera peut-être envie de goûter. Évidemment, vous me direz hein, si vous connaissez, si vous avez déjà goûté, si au contraire vous ne connaissez pas du tout, si ça vous donne envie de goûter. Et si vous passez une commence, évidemment, dites-moi euh, si vous les avez trouvés délicieux comme moi. Voilà, bon, je pense que je n'ai du coup euh, rien oublié. J'avais pris des petites notes hein, pour rien oublier. Euh, donc, du coup, euh, ici, quand vous achetez euh, une boîte de 6 vous recevez une carte comme ça. Ça fait penser à une carte du tarot d'ailleurs. Et la qualité est très bien aussi. Hein. Et euh, j'ai reçu un petit autocollant aussi. Voilà. Bah, du coup, pour les gourmands, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous mettrai encore quelques petites photos à la fin. Euh, comme ça, vous verrez son univers. Et, euh, mais je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.